Réveille-toi. Commence ta journée. Lève-toi. Commence tes projets. Avance dans ta vie. C'est le moment. It's the time. C'est la conversation de Evie White, bro. C'est ce que je veux dire. Je suis née au Brésil. Moi, je suis sénégalais. À Belém, dans le nord. Je suis d'origine espagnole. À l'âge de 8 ans. Mon amour pour la danse. Ma mère, mes sœurs. Mon père est d'origine camerounaise. On est parti en Guyane. Elle s'est développée... Ma mère ne parle pas espagnol. Elle le comprend, mais elle ne le parle pas. Au Sénégal. Son père. Au rythme des djembé, les fêtes, les mariages. Ma mère est née en région parisienne. Son grand-père était juif. Je suis d'appareil 10. Mon père, c'était un Vietnamien. Je suis capverdienne. Je suis ici, j'ai été en Haïti quelques fois. Je suis né dans 93 avant dit. Quand il arrive en France, il a dit « Je viens en France ». Je suis arrivé en France, j'avais 7 ans. Je parle espagnol avec ma femme. Il a grandi à l'époque où ce qu'on appelait l'Indochine. J'ai beaucoup de famille qui est dans la musique. Mais je ne parlerai pas en espagnol. Guyane française, département français. J'ai grandi à Grenoble, mes parents sont l'Oise. Je suis né à Paris 13e. Je me sens proche de mon pays, de la France, d'Haïti. J'ai l'impression d'être un métissage de tout ça. J'ai un papa algérien et une maman italienne. Musulman, je me sens à ma place. Famille adoptée pour la guerre d'Algérie et ma mère avec mon papa et ma maman dans les camps. Donc c'est compliqué parce que j'ai des racines mais je suis pas du tout rattachée. Je suis coupée d'elle. Non, le fait d'être née en Côte d'Ivoire, ça donne une force. Ah, tu sais pas quoi faire là, hein? Mets-la bien si tu... Voilà. Tout à travers les mouvements. Mets-toi en interaction avec moi.
quoi après? Arrivé à l'électro là, ça. Non mais Abla, il est venu avec ses ancêtres là. Il a dit, avant de venir. Il a ramené tout le monde là. Ils étaient là. Elle les a vus. Ils m'ont touché. Ils m'ont tous touché. Ils ont dit pas. Tiens. J'ai fait ok. C'est prenez notre petit fils. Bonjour à tous, moi je suis le metteur en scène du spectacle. En fait, l'Opéra de Paris m'a demandé il y a 2 ou 3 ans, pour une collection de vidéos, de faire un film, une sorte de carte blanche. Et j'ai choisi une pièce de musique de Jean-Philippe Rameau, qui vient des Alpes-Galantes. Et ça a été pour nous une grande rencontre. Le directeur de l'Opéra de Paris lui-même, 10 jours après, m'a dit que vous seriez prêt à monter les 3h40 de spectacle. Les Alpes-Galantes, c'est un opéra qui date de la première moitié du XVIIIe siècle, et qui raconte un peu les 4 coins du monde. Moi, dans le projet du spectacle, je me raconte que le monde est la ville et que les 4 coins du monde se trouvent dans la ville. Et donc, ça veut dire que la culture urbaine est, quelque part, le premier langage ou la première forme d'altérité dans le spectacle. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu convoquer sur scène un maximum de langages chorégraphiques qui, parfois, appartiennent à quelques danseurs ou à des groupes très confidentiels, et les faire se rencontrer sur la scène de l'opéra, qui vont du crump au voguing, au popping, au jump style, et que tout ça fasse partie d'un seul monde, qui serait notre petite ville qui sera présente sur scène. On est déjà dans le truc, quoi. Et c'est vous contaminer, quoi. C'est vous contaminer en vous disant que c'est... dès qu'on se lève, on est pris de ça, et ça, voilà, c'est en maturation, quoi. C'est un projet qui demande un vrai engagement, un vrai investissement. Sachez-le. Voilà, l'idée c'était de commencer par un spectacle, que vous soyez à l'endroit du spectateur. Oui ? Non, rien, bonsoir. Bonsoir madame. Ah, c'est vous qui êtes invité ? Ah, oui, c'était vous ? Ah, bah super, c'est très bien. Merci. C'est bien d'être invité. Ça vous a plu ? Bah oui, c'est très bien. Ah, bah. Ah oui, super. Il y a Victorio, il est fabuleux. Bon, allez, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Et vous, c'est comme ça. Voilà, on a des crumpers, on a des danseurs debout, des danseurs de log, des danseurs de vogue, des danseurs de break, tous les styles, ça va être hyper varié. Là, on fait la pub, là. C'est moi qui fais la pub. Non. Let me tell you this. C'est anglophone. It's about us. C'est anglophone aussi. Il a dit c'est moi. Non, it's us. It's about to get down, ok? This building is gonna tremble. Wow. Allez les bleus. Ok, maintenant l'opéra c'est chez nous. Opéra c'est chez nous. Opéra de Paris. Bienvenue à la maison. Ça rentre dans les théâtres depuis plus de 30 ans, le hip-hop. Ça donne des messages depuis plus de 30 ans. Ça se mixe avec les danses contemporaines, les danses classiques depuis longtemps. Donc c'est pas une nouveauté en fait. Maintenant, pour eux ici peut-être. Je me suis posé beaucoup de questions par rapport à ça. Il y a 2 camps. Il y a un camp, ils disent oh, c'est super, ça brasse un mélange, etc. Et il y a un autre très puriste, on va dire, qui se dit mais non, danser du hip-hop sur du Rameau ou du crump, ça n'a aucun sens. Et il y a aussi vraiment les Gaulois, qui pense que quelqu'un qui a une peau noire foncée ou qui fait du hip-hop ou que ce soit, n'a pas sa place ici. Parce que sa classe sociale ne lui permet pas de venir ici. On est à l'opéra, mais on est en 2019, quoi. Ça va.
Ils ont l'habitude, ils font dans la rue, ils savent que le monde n'est plus comme, je sais pas, au XVIIIe siècle ou autre. S'ils ont fait ce projet, c'est qu'ils veulent s'ouvrir. Et peut-être qu'ils doivent s'ouvrir aussi. Peut-être que le peuple ou le public qu'ils ont sont à la demande de ça aussi. J'avais jamais vu de noir à l'opéra, moi. Jamais une femme noire en tant que danseuse. J'étais contente, mais j'étais pas contente. J'appréhendais. Je savais pas comment les gens allaient le prendre. Les gens de ma communauté, par exemple. J'étais en train de me dire qu'une meuf comme moi allait être... qu'une femme comme moi allait être à l'opéra. Qu'est-ce que les gens allaient dire? C'était ça, ce que je me disais. Les Indes galantes, c'est une œuvre qui a été écrite à un moment donné où l'homme occidental, l'homme des Lumières, était en train de passer du cliché du sauvage sanguinaire au cliché du bon sauvage. Avec Rousseau, l'homme occidental s'est mis à regarder l'autre, l'indigène, le sauvage, comme une population pure, pure, bonne, et qui n'a pas été contaminée par la civilisation. Et ce faisant, cet humanisme-là, cette bienveillance-là, est teintée aussi d'une forme de condescendance qui va préfigurer le colonialisme et le soft power. C'est-à-dire que l'autre passe tout d'un coup, dans cette image-là du bon sauvage, passe aussi sur le côté de l'histoire. Alors, le rideau s'ouvre sur un décor qui est assez nu, mais qui nous raconte l'espace urbain. Les Indes galantes, pour moi, c'est l'histoire de jeunes gens qui dansent au-dessus d'un volcan. En 1735, c'était un volcan de théâtre qui n'était que du faux et qui, 300 ans plus tard, est un volcan bien plus complexe, bien plus explosif et bien plus dangereux. On y va ? C'est parti ? C'est impressionnant. J'ai envie de monter. Il faut que je te présente à tout le monde. Salut, salut. Mitou est la chorégraphe. Enchantée, que... ça fait du monde. Hein, ça fait... On aime bien qu'il y a le monde. Premier jour de l'école. La famille. Ouais. Cette arrivée d'Ébé, c'est une. Pour moi, c'est une espèce d'impératrice qui arrive et qui va. C'est une espèce de réveil qui est une injonction. Cette musique ne nous laisse pas le choix. Enfin, ne laisse pas le choix aux corps qui sont sur le plateau que de danser. Par exemple, il y a un geste dans le crump. Les crumpers, quand ils dansent, ils ont ce geste-là, comme si ça c'était une force. Tu vois. D'essayer ça aussi avec le chant, comme si la voix pouvait être accompagnée d'un geste comme ça, comme si c'était une espèce de flux d'énergie qui allait les tirer du sol ou au contraire les y coller. Okay. En fait, ce qui va les traverser, c'est justement le rapport à ta voix qui va faire qu'ils vont monter en tension pour que ce réveil se fasse vraiment de plus en plus dynamique, en fait. Donc ça va être autant ta voix que le geste que tu vas avoir pour leur ordonner de se lever. Vous commencez
Merci. La scène est gigantesque, la salle aussi. T'es trop dans du micro. Sur la vidéo, t'as beaucoup plus d'amplitude, ce que disait Bintou avant. Venez, tu décolles. Vas-y. Ouais, c'est juste qu'il faut qu'on se connecte un petit peu plus. N'hésite pas à venir tout de suite prendre le contact. Le venez. Si tu me prends comme ça, après moi, je viendrai tout de suite. Venez à courir. Ce que je peux vous dire, c'est que ça va parler des corps qui sont exposés en spectacle, comme dans des vitrines ou comme dans des corps qui sont tout le temps en représentation. Et comment cette représentation et un corps qui est toujours en spectacle, c'est aussi une forme de pouvoir qui est pris sur un corps et comment le corps s'accommode ou résiste à ce pouvoir-là. Voilà. Quel rapport de force s'exerce entre l'architecture et les corps, entre les forces de l'ordre et la jeunesse, entre les forces du spectacle et la jeunesse, comment tout ça, ça vit, ça combat. C'est beau. Ouais, c'est joli. J'adore. Ouais. J'adore, franchement, bien joué. J'adore. Ah, j'adore. C'est très beau. Moi, j'adore les. C'est en résine un peu. Ouais, c'est ça. Oui. C'est trop chouette. Et du coup, on est nu en dessous, c'est ça? On ne porte rien? Si, quand même. Si tu peux, ce serait mieux pour nous, mais. Vas-y, salut. Enfin. Ça va et toi? Alors non, mais laisse not me. Non, attends. Il y a un truc au Versailles. Même la manche. Ouais. Vos personnages sont là pour vendre des costumes avant d'être beaux. Le corps, il est là pour soutenir du textile cher et pour le mettre en valeur. En tant que personnage, vous êtes là pour servir un produit, une ligne, et pas pour manifester votre personnalité. C'est ça que la scène nous racontait.
ce spectacle, je voudrais qu'il puisse raconter les tensions entre les corps, les groupes. Des corps manipulés, habillés, exposés, dirigés, dans lesquels on va sentir une tension qui grandit et qui va petit à petit aller jusqu'à l'explosion. Et au final, j'aimerais qu'on ait l'impression que c'est la jeunesse de Paris qui a pris la Bastille. Je pense qu'on devient soi quand on a déconstruit tout ce qu'on croit qui fait ce qu'on est depuis qu'on est, en fait. Depuis qu'on arrive sur cette terre, forcément, on est façonné d'une certaine manière. Une fois qu'on fait l'effort de savoir ce qui, au plus profond de nous, nous plaît, ce par quoi on va vivre, ce qui nous anime, la définition qu'on a de nous-mêmes change. Et ce qui peut avoir de l'importance n'en a pas forcément. Donc en soi, je serai toujours le fils de mes parents. Mais moi, je suis autre chose, en fait. Et je sais toujours pas ce que je suis, d'ailleurs. L'opéra, c'est à chaque fois différent. Chaque représentation, tu changes. Les chanteurs changent. Ouais. Parce qu'un chanteur est fragile. Un chanteur est quelqu'un qui change parce que son instrument est vraiment son corps. Et ça dépend de son état d'âme aussi et de comment il s'est réveillé le matin, de ce qu'il est en train de vivre. Alors entre première, deuxième, troisième représentation, tout peut bousculer. Ça veut dire que si tu considères qu'une œuvre d'art, c'est une pièce de musée, tu es mort. Mais les grands compositeurs, à la fois, ressuscitent. Ça veut dire que c'est ça qui est la magie de la musique et de la danse aussi. Ça veut dire que quand on joue Rameau, il est là.
Alors, dès ce moment-là, il n'y a plus de distance. C'est comme les physiciens le disent, le temps n'existe pas. Like a spiral, je sais pas comment on dit. Your arm is look like. Yes. Yeah, thank you. I learned about flexing when I was 15. A friend of mine taught me about flexing in the street. You know, no dance studio, nothing. I learned how to glide on concrete. You can watch Crump, you can watch flexing, and you see that it's from a ghetto environment. It's a real street thing. Some of these dancers that I had looked up to either stopped dancing because they went to jail or passed away because of their lifestyle. It's a different world. A lot of dancers, I would say, here, they learn about the street style, but they're not from the street, really. You know, so it's different to have an understanding of it and to be from it. Pour moi, qui vient du hip-hop, qui vient de l'underground, qui est une manière d'aborder les scènes à partir de la marge. Dans les Indes Galantes, on est dans différentes formes de domination contemporaine. J'ai essayé de dire aux danseurs, entendez bien ça. Parce que dans nos danses, qui sont des cultures, qui nous définissent, vous allez jouer des stéréotypes. Et l'idée, à travers ce que Clément veut faire, c'est de les traverser, ces stéréotypes, pour les déconstruire. Ça a été mon parti pris, de me dire, je vais essayer de faire ce que j'ai l'habitude de faire, qui est le mot d'ordre du hip-hop, c'est détourner. Le fait qu'une chorégraphe comme Bintou va s'occuper de la chorégraphie, tu te dis, bon, elle va faire son possible pour éviter de tomber dans les pièges qu'il peut y avoir. La manière dont les danseurs de ce projet sont représentés, la manière dont on va parler de nous, la manière dont on va se servir de nous pour communiquer, la représentation médiatique que ça peut avoir. Je peux vous voir de loin, s'il vous plaît ? Ça marche pas chez tous, en fait. Quand c'est noir, ça marche plutôt pas mal. Le rouge, effectivement, ça marche pas. Quand on fait les lascars, par exemple, ça reste qu'une image de loin. Qu'est-ce que ça veut dire, lascar ? Moi, j'ai grandi dans un quartier au Mirail, à Toulouse. Qu'est-ce que t'en penses, Boutou ? Ça peut le faire. Même si ça reprend des images qu'on connaît, ça reste une fiction. Il faut du boulot, je pense, pour que ça le fasse. Donc je m'y reconnais sans m'y reconnaître. Je me sens un interprète. Je pense que la lumière aidera à ce que ce ne soit pas drôle, en fait. Est-ce qu'on peut baisser un peu le... Est-ce qu'on peut baisser la lumière, s'il vous plaît ? Le livret ne raconte que des stéréotypes. C'est des personnages qui sont définis uniquement par leur appartenance à une communauté sauvage, inca, turc. Un stéréotype, c'est simplement un personnage avec qui on n'a pas passé assez de temps, qui ne nous a pas raconté assez son histoire. C'est quelque chose que je ne cherche pas à éviter, mais au contraire à traverser, pour que le personnage nous raconte quelque chose d'autre de lui. Et petit à petit, il va nous surprendre. Est-ce que c'est menaçant ou est-ce qu'en fait, ils sont juste en train de discuter ? C'est jouer sur cette ambiguïté-là qui m'intéresse. Tu vois, vraiment le minimal. Tu me disais comme ça. Ça, c'est super beau. Moi, je préfère avec le chaos. Je trouve ça avec le kawaii et tout. Ça, c'est hyper sexué, c'est hyper... j'ai l'impression de l'avoir vu dans plein de magazines. Ça peut être une affiche Reebok, tu vois. Là, il y a un truc plus... Tout d'un coup, c'est le quotidien qui s'allume, quoi, tu vois, qui devient merveilleux. Enfin, c'est ces mecs-là, quoi. Yeah. C'est ces mecs-là qui zonent, qui tiennent les murs. Et c'est pas un super beau gosse musclé. Et... Enfin, je trouve ça, là-dedans, ça le surprendra plus. Et en bas, le cœur de l'action, c'est cette fille, leur sœur ou leur cousine, qui se fait draguer par un flic. Elle cherche à échapper à sa communauté,
Mais en même temps, elle a déposé les armes devant les vainqueurs. Et donc elle trahit, tu vois. Parce qu'elle se libère et elle trahit. Ce qui est assez beau, en fait, qui est un nœud dramatique, intemporel, qui est comment tu échappes à ta communauté sans la trahir, comment tu es toi-même, même si tu baisses les armes devant celui qui a le pouvoir. Là, elle passe. Regarde. Doucement, c'est ça qui me manque. Regarde ton bras gauche. Regarde. Rentre-le à l'intérieur. Déploie-le. Regarde là. Là. Et voilà. Et là, tu y vas. Fais la torsion. Tu la fais plus. Regarde, regarde. Tu la fais plus. Ça, tu le fais plus. Ne le perds pas, s'il te plaît. Ok. Ça, tu le perds. Ciao bella.
merci. Là, on l'entend. On l'entend. Dans un théâtre comme celui-ci, on doit entendre toutes les harmonies. Début. Clair flambeau du monde, l'air, la terre et l'onde ressentent tes bienfaits. Clair flambeau du monde, l'air, la terre et l'onde te doivent leurs attraits. Là, on prend les éléments les plus basiques de la terre et on les remercie. Donc c'est comme ça qu'on commence un rituel, en remerciant la terre, le ciel, les éléments. Pour moi, c'est un basique que chaque être humain devrait intégrer en lui, je crois, parce que c'est ça qui manque. Là, on se retrouve sur scène à faire un clair flambeau du monde devant un écran. C'est pas pour rien, Clément, il est pas con. À l'heure de la technologie, il faut comprendre quel est le clair flambeau du monde. Est-ce qu'on parle de l'écran, est-ce qu'on parle de soleil, est-ce qu'on parle de son propre cœur? Alors, s'il vous plaît, lancez-vous avant. Un instant de survie. 1, 2, 3, 4. Tout de suite. Alors, maintenant, et ce qu'on a vécu, pram. Seule chose qui ne marche pas, c'est les rochers embrasés. Excuse-moi, je parle mal le français, mais les rochers embrasés. Non. Ce qu'on avait soif, c'est les rochers embrasés. Ajouter les crescendo.
do, re mi fa si do, re mi fa si do. 1, 2, 3, 4, Laurent. Tout de suite, Kélechen. Pour la vitesse. Ça doit être les textes qui vous amènent à la vitesse. Vous pouvez les dire une fois, un, deux. Les rochers sont placés, silence dans les airs. Les rochers sont placés, silence dans les airs. Les portes jusqu'aux cieux, les formes des enfers. Les formes jusqu'aux cieux. Les portes jusqu'aux cieux, les formes, les formes des enfers. On est admiré par tout le monde. Les danseurs sont admirés par les choristes sont admirés par les danseurs. On est là. Dès qu'ils sont là, on est. Moi, je tiens à dire que Leonardo, il nous a mis bien. Hey, Leonardo nous a pas mis bien, franchement. Il nous a mis bien. Il a été plus buck que tous les autres, en fait. Il y a des danseurs de crump, et là, il est venu nous a montré un truc qui était buck. T'es plus buck que vous, le gars. Franchement, c'est un leadership incroyable. On lui envoie des pop, t'as vu? Ah, c'est incroyable! C'est dégagé. Mon père, il est vietnamien. La guerre arrivant, ils ont fui là où ils ont pu, ils ont atterri en Inde, dans un comptoir français. Mon grand-père, il est indien, mais anglais. Il vivait à Singapour.
toute ma famille vietnamienne et toute ma famille indienne, tout le monde est en France. Parce que, ancien comptoir français. Donc nous avions le droit d'être là. Et c'est trop tard, j'ai envie de dire. Quand Bintou a dit que notre corps, il a 1000 ans d'histoire, il a réellement 1000 ans d'histoire. C'est tout ce qu'on hérite, en fait. Toutes les émotions de nos parents, de nos aïeux. On hérite de tout ça. Et à quel moment est-ce qu'on l'accepte? À quel moment on en prend conscience? À quel moment on le rejette ou pas, tu vois? Alors, cette barque destinée à l'opéra de Rameau, Les Indes Galantes. Déjà, je dois préciser que cette barque est à l'échelle 1,33. Donc, moi, ce que j'ai réalisé en polystyrène, ça fait donc 33 fois plus grand que ça. Voilà. Vous savez ce qu'elle raconte, cette barque? Pas trop, non. Bon, inévitablement, je pense au triste sort de ces gens qui se retrouvent d'être obligés de traverser la Méditerranée, mais j'en sais pas plus. Bon. Le mood, en fait, ce que je voudrais, c'est comme si c'était une sculpture, comme si c'était, tout le monde était coulé dans la même matière. Et de tout ça, on va vous extraire un par un, comme si vous étiez... On est collé plutôt. Ouais, plutôt collé. Question. Ouais. Est-ce qu'on peut mettre des bras qui s'emboîtent comme, ou tu veux vraiment que ça soit juste du corps? Est-ce que alors, tu veux que ça soit je veux pas qu'on soit... Non, tu veux pas. Je veux pas savoir... Je veux essayer de pas... savoir à qui et quel bras, c'est-à-dire de se dire mais à qui c'est ça. Par contre, je veux pas voir ça. En fait, je veux pas que les positions elles racontent des personnages épuisés ou quoi. Faut que ce soit.
moi, là, il y a une sorte de désir contrarié entre vouloir être avec eux et échapper à leur sort. Donc c'est avec un peu plus de sourire ou un peu plus de non, tristesse? Non, plutôt de drame. Ok. Voler. Je le tourne, je sais plus ce que je fais, c'est ça. Voler à ciel. Sur cette flotte téméraire, on ne peut jamais trop risquer. Hâtez-vous de vous embarquer, jeune cœur pour les acidaires. Hâtez-vous, voler. Hâtez-vous de vous embarquer, hâtez-vous, voler. Merci, merci. Ne laisse pas tomber ton âme quand tu as un silence. Oh, amour. Quand tu vois que quand tu demandes amour, quand du destin, c'est évident que c'est pas amour. Quand tu vois, ne laisse pas tomber ton âme. Et ça continue. La tienne seulement. Et encore. Me fait verser des larmes. Amour, en du destin, j'éprouve la rigueur. La tienne seulement. La scène des femmes cabines, c'est une scène qui est compliquée parce qu'on est sous l'emprise de plein de choses. Quand on est en tenue sexy, on a envie d'être sexy, enfin on a envie d'avoir des postures. On ne devait pas forcément vendre ça. On devait vraiment tout le temps jongler et mesurer tout ce qu'on faisait. À chaque fois, il fallait remanier.
ah là c'est trop sexy, là c'est pas assez ce qu'on veut, pour que le spectateur puisse dire mais c'est horrible. Moi j'ai dû prendre recul face au livret. Parce que des fois dans le lyrique, on ne comprend pas certaines phrases. Moi j'entends que la beauté des aigus qui montent, qui descendent avec l'orchestre qui suit, qui est juste extraordinaire. Mais quand on fait attention au livret et aux paroles, c'est violent. Doit-on aimer en esclavage? Ça reste quand même des histoires d'amour, mais dans un temps où, pour tout le monde, ça c'était la normalité. Qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas, heureusement, grâce à Dieu. C'est... Doit-on aimer dans l'esclavage? Ce moment-là, la demande qui m'était faite, je me suis sentie impuissante à pouvoir y répondre. Et du coup, bah, c'est intéressant de voir comment les danseurs ont été en dialogue directement avec Clément. À mes soins, confiez vos amours. Doit-on aimer dans l'esclavage? On doit aimer dans l'esclavage. Des fois, je suis à la maison, je suis en trottinette haute, je suis toujours en train de murmurer des sons d'opéra. Et ça, c'est un truc que j'aurais jamais cru, que de l'opéra m'aurait touché aux larmes. Voilà. Ah, mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Les gens, ils se rendent pas compte du talent que ces personnes-là ont quand elles chantent. Yeah.
Moi, je fais du crumb, je suis dans l'expression. L'opéra est dans l'expression. Les chanteurs lyriques, ils ont de l'expression. Donc moi, je me sens tout à fait à ma place, je me sens tout à fait légitime de tout ça. Tout ce qu'ils chantent, j'arrive à l'exprimer par ma danse. Et c'est pour ça que c'est si intéressant, en fait. C'est pour ça que le baroque, c'est quelque chose qui nous touche. Parce que c'est quand même une expression qui est forte. Et dans la voix, et dans les paroles, et dans les propos. Les chanteurs lyriques, ils se donnent. Ils donnent leur vie, en fait. Tu sens qu'ils ont besoin d'être habités par ce qu'ils chantent, pour que ce soit réel. Parce que l'expression artistique, le but, c'est quand même de raconter des choses. Et tout le monde raconte des choses, les corps racontent des choses. Tout ce qui est sur cette terre raconte des choses. Et l'expression artistique, c'est le summum pour le faire, c'est tout. Tu connais ce texte-là ? Je dois lire ? Si tu veux bien. Article du Mercure de France, paru en 1725. En 1725. Les comédiens italiens donnèrent sur leur théâtre une nouveauté des plus singulières. Deux sauvages venus depuis peu de la Louisiane, grands et bien faits, dansèrent trois sortes de danses. Le premier danseur représentait un chef de sa nation. Il avait sur la tête une espèce de couronne ornée de plumes de différentes couleurs. L'autre n'avait rien qui le distingue d'un simple guerrier. La danse exprime une assemblée de sauvages. Une assemblée de sauvages. Où l'on prend le parti de faire la guerre à tel ou tel peuple. Le guerrier va d'abord à la découverte de l'ennemi armé d'un arc et d'un carquois garni de flèches. L'autre bat du tambour ou espèce de timbale, pas plus grosse qu'un chapeau. Après quoi, ils dansent ensemble la danse de la victoire. Bah, c'est un western. Alors, ce texte est la description de la rencontre avec des danseurs qui venaient de la Louisiane. Et Rameau a connu ces moments. Et simplement, on peut imaginer, même pas avec des notes, quelque chose qui peut-être fonctionnait de cette manière. Et pourquoi pas... Mais ce qu'on vient de vivre à l'intérieur de la tête de Rameau, au début, ça pouvait être... Et bien évidemment, et après, ça pouvait évoluer. Après, il faudrait trouver... Et la génialité, ça, c'est du Rameau. Les Indiens, ça parle de l'Européen qui découvre les terres inconnues. Au début, tu te dis, ça fait un peu mal, parce que ça parle de la colonisation de plein de peuples différents, qui aujourd'hui, parfois, n'existent même plus. En Occident, il y a eu beaucoup d'appréhension, beaucoup de peur de l'inconnu, en fait. Et les Indiens Lentes, ça parle que de ça, la peur de l'inconnu et de vouloir prendre pouvoir quelque part, mais à un moment donné, tu ne peux pas toujours faire ça, quoi. Il y a une phrase qui m'avait intrigué, c'est « Nos vainqueurs nous rendent la paix ». Alors qu'un vainqueur ne rendra jamais la paix à un peuple. Il pourra dire je pars, mais il sera toujours présent quelque part dans ta terre, en fait. C'était une colonie de territoire et physique. Aujourd'hui, c'est une colonie de territoire et de mental. Je dirais ça. Thank you.
on descend tous ensemble, ce step-ci, c'est vraiment les Amérindiens qui partent à la chasse. Parce que j'ai des origines amérindiennes. Mon arrière-grand-mère, elle habitait encore en forêt. Alors, je vous fais écouter une... C'est une discographie, on va dire, des chants Tupi-Guarani. Ma tribu, que j'ai découvert ça fait un an. Voilà, donc c'est mon rituel, on va dire, du matin. Ça me ressource un peu. Voilà, je vous fais écouter. Il y a des pas. En général, ils tournent vraiment autour de la répétition, de la ronde, du cercle. C'est assez familial et ça se transmet de génération en génération, jusqu'à maintenant. Il y a encore des tribus qui existent, en tout cas qui essaient de perpétuer ça, quoi. L'espace, vous êtes trop en avant-scène. Thank you.
C'est la fin de la répétition. C'est la fin de la journée. C'est l'heure, voilà. Tout le monde aimerait continuer, mais c'est l'heure. Bravo. Mon chouchou. Mmh. Mais je sais pas comment il s'appelle. Mmh. J'en étais sûre. J'en étais sûre. Mmh. J'en étais sûre. On nous suit. On nous suit. Bon, en cette sainte journée de première représentation, je vais vous montrer un peu de mon quotidien. Oh, carrément. Oh. Des bisous, tout ça. C'est beau, ça. Everybody gathering their energy. We're about to wild out. Allô. 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 Fabulous. This is us. Ça va, j'avais l'air grosse en plus sur la photo. Sympa. T'as vu, c'est sympa. Chouette. Hein. Oui, fais voir. C'est la première étape, ça dure 5 minutes. Porte numéro 7, ça sera sur votre droite en prenant les escaliers en face de vous. Je vous en prie. Mais Bintou, moi j'ai une question. Pourquoi on ferme ça? Écoute, hein. En vrai, vous êtes au service d'eux. C'est... Non, non, ils sont au service d'eux, donc du coup, vous êtes sérieux. Oh, pardon! Vous n'avez pas vu le bar? T'imagines même pas ce qu'il y a en dessous. Putain, mais...
T'aimes bien? Est-ce qu'on peut parler de ça? C'est pas ta couleur de peau. Bintou. C'est pas ta couleur de peau. Bintou, sur la tête de ma mère. Je suis désolée. C'est pour l'art et la culture. Un seum, un vrai un seum. Eh, la vie. Je suis en premier plan devant. Il va sûrement ma mère, je l'invite pas. Je l'invite pas. Pas. On est prêt, vous êtes juste derrière le rideau. Vous êtes juste derrière le rideau, on vous entend. Et nous, on est prêt. On est prêt, on est prêt. Mais ils vous ont tous placés aléatoirement, ils vous ont pas laissé vous regrouper. Ok, bah écoute, je vais te laisser là, on va devoir se réunir. Vas-y, bisous et bon spectacle. Merci. J'ai une confiance absolue en vous. Yes, on y est. Oui, on y est. Je serai derrière toi, t'inquiète pas. Tu me mets pas de la main. Allez. Voilà, force. Force. Get it, bro. Let's do this. You're the one. Seigneur, merci pour aujourd'hui. Merci pour tout. Merci pour cette année de long travail, de dur travail. Merci de nous avoir réunis ici, de pouvoir vivre de notre passion. Merci de mettre à manger à table chaque midi, tous ensemble, chaque soir avec nos familles. Pour ceux qui en ont, qui n'en ont pas. Merci pour tout. Ce soir, c'est pour nous. Amen. 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 Alléluia. Tout est mélangé ici. Tout est mélangé. Moussa, Tim, t'inquiète pas. On a commencé à l'audition. Oui, c'est le début de la fin. Trop de love. Juste trop de love. Trop de love. Trop de love. Juste du love, retenez-le là. Un an de répétition de ouf pour ce spectacle. Ça va commencer d'ici peu. On est prêt. C'est parti.
Elle a monté là, mais c'est pas ça. Elle a monté un truc. Ah, le matin, il y a des petits trainings en fait. Mélone. Charisme. Charisme. Celle qui dit Jean-Baptiste, Jean-Baptiste Rameau. Jean-Baptiste Rameau. Oh my god. Voilà. Jean-Baptiste Pocolin Rameau. C'est quoi son nom à l'animatrice là? Déjà la voix dit la Vasselle. C'est incroyable. Jean-Philippe. Jean-Philippe.
Ici, là, c'est une conquête formidable. C'est un plaisir, c'est bizarre. De vous, c'est formidable. Regarde ces mots-là en tête. Je voudrais vous dire ce soir que, d'abord, moi, personnel, j'ai été évidemment choqué par cette incroyable réaction du public. Je crois que Leonardo et Clément ont accepté ce pari de faire le premier opéra baroque à Bastille et proposer une production qui a sûrement dû déstabiliser beaucoup la critique, car il n'y a pas beaucoup de codes pour s'y retrouver. Et c'est sûrement un peu compliqué pour eux ce soir. Ils sont à la maison en train d'écrire et c'est pas... Je m'attendais à ce qu'il n'y ait pas de réaction du public en face de nous. Et non, il y en a eu. Donc je me suis clairement trompé sur le public qu'on attendait de l'opéra, le public vraiment cliché, quoi. Par contre, la réaction des journaux, des médias, c'est très partagé. Mais je leur en veux absolument pas. C'est une préservation de ce qu'ils ont toujours aimé. Donc nous, on arrive, on rentre dans le tas. Ce que j'aimerais, c'est leur dire qu'on essaye de respecter au mieux ce que vous avez toujours aimé. Et de le faire à notre époque avec ce que l'on est, et vous en pensez quoi? C'est juste cette rencontre-là qu'on aimerait avec eux, tu vois. On a des critiques dégueulasses, mais le public est debout. Les journalistes, ils comprennent pas. Il y en a des bols, mais il y en a un, il a le courage de dire peut-être que j'ai raté quelque chose, peut-être que j'ai pas pris le train en marche, qu'est-ce qui se passe? Ouais, le monde, il évolue en fait. Peut-être que finalement, ce qu'on leur donne à Bastille, ben, c'est quelque chose qui est trop formaté, loin de la vérité et loin de la vie, en fait, tu vois. En général, je te parle. Hein. Le critique, il a dit que pourquoi on doit payer 200 euros pour voir des danseurs sur scène, si ces mêmes danseurs, si on les voit dans la rue, on ne leur donne même pas un centime. Ça m'a mis en colère totale. Moi, j'adore faire les photos backstage. C'est un peu comme un pense-bête aussi, tu vois. Cyborg, Salomon, Moïse, Léo. Là, on a Cal qui vient des États-Unis, qui fait du flexing. C'est le fameux solo avec Sabine. Sabine qui le présente à la fin. Tu vois, symboliquement, là, il y a quelque chose quand même. Quand t'as une soliste qui va chercher un danseur pour saluer avec lui, là, on a fait bouger les choses quand même. Donc, il y a des petits messages comme ça où j'arrive à capter là où on a réussi à faire bouger les choses, mais je réalise pas encore ce qui est en train de se passer à Bastille. Je capte pas encore, là. Pourtant, ils nous le disent, hein. Même Bintou nous le dit. Peut-être parce que je pense que c'est normal, tu vois, qu'on devrait pas se dire que c'est incroyable.
C'est marrant, hein. J'ai l'impression que c'est un lieu de pouvoir et de résistance, cet endroit. Peut-être que c'est les énergies qui sont restées là-bas, tu vois. Il y a des énergies qui font que c'est la résistance là-bas. Je reste persuadé que nous sommes juste des invités de passage là-bas. Parce que quand on dit ils sont venus vous voir à Bastille, c'est pas vrai, hein. C'est nous qui y sommes allés. Hein. Nous sommes venus chez eux. Ils sont pas venus nous voir, c'est nous qui sommes venus les voir. Non mais on est fiers. Mais pour moi, c'est la suite qui définira quelle trace on a laissé à Bastille. C'est juste la suite. Là pour moi, on a bloqué la porte de l'ascenseur, tu vois, avec le pied. Je veux juste voir si on nous laisse rentrer dans l'ascenseur. On verra. Messieurs, les 19h15, début de la représentation dans 15 minutes, merci. Ladies and gentlemen, this is your call to our call, thank you. C'est la basse qui va nous bouleverser. Sans crescendo, sans mouvement. Restez. C'est ça. Thank you.
decrescendo. Et préparez-vous. Beaucoup.